Salut à tous, c'est Amandoli, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale en compagnie de Mafia Squad. Bon, il peut pas répondre parce qu'on n'est pas en vocal, car sinon je pouvais pas lancer la vidéo. Mais du coup, on a fait ça en terrain de jeu, on a recouvert Tilted tête de pièges que vous avez pu voir dans le titre. Presque 3500, peut-être même 10 000, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Enfin, peut-être pas 10 000, mais 3500 minimum. Mais on a utilisé plus de 1000, ça c'est sûr et certain. Grâce au distributeur à pièges infinis, on a réussi à faire ça. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un The Floor is Lava Challenge avec Mafia. Je vais déjà expliquer les règles. Là, je vais brancher le casque pour que vous puissiez entendre le jeu. Donc, Mafia, tu es prêt? Saute pour oui, accroupis-toi pour non. On va faire ça comme ça. D'accord. Donc, quand je m'accroupis 3 fois d'affilée comme ça, on va pouvoir commencer. On a le droit juste à un grappin avec... Est-ce que tu peux utiliser ton grappin une fois? Parce que moi j'ai un grappin 9 de durabilité et toi t'as un grappin 10 de durabilité. Non! Et les pièges bug, on prend pas de dégâts avec. Du coup, quand un piège s'activera, on devra retourner en haut du clocher. Du coup, là, je retire mon casque et dès que je m'accroupis 3 fois, ça commence. L'objectif est d'aller à l'autre bout de Tilted, sans toucher les pièges. C'est l'objectif. Ah, t'as un cramponneur 5. Ah, d'accord. Donc, on va passer à 4. Enfin, à 5. What? Attendez, je suis bloqué à 8. Ah, c'est bon. Du coup, saute, voilà. T'as ton cramponneur? Ok, donc on va pouvoir commencer. Et là, mais voilà. Donc, je retire mon casque. Donc là, vous entendez le jeu. Et en vrai, moi, je vais publier cette vidéo avec le hashtag Lamador. Car je pense que je sais pas si ça rentrera dans les critères. 2, 3, je sais pas si ça rentrera dans les critères. Mais en tout cas, c'est un sacré truc. Donc, j'ai envie quand même de le publier. Voir si on pourrait pas gagner un Lamador. Donc, on va essayer de faire. Il me suit, regardez-le, ma fille, il me suit. On peut s'agripper, ouais, voilà. Oh! Oh, ce qu'il a fait! C'est beau ce qu'il a fait. Beau jeu, beau jeu. Moi, je vais me mettre sur... Je vais faire un entre-deux. Je vais faire la voiture. Et après, je vais faire l'arbre. Ok. Oh, c'est chaud! C'est chaud, mais c'est grave stylé. Hop là. On va faire attention. D'ailleurs, j'ai débloqué le skin chaperon rouge. Je suis assez fière. Il est assez sympathique. On va aller en haut là. Oh, je suis mort! Oh, ma fille, il est bien là. Oh, il est bien, ma fille. Oh. Ah, ma fille, il a perdu. Ouais, j'ai pas de chance, ça. On va essayer. Mon objectif, c'est d'aller sur la voiture, là. Mon objectif, c'est la voiture. Ok. On va dire que... Attendez, je vais le dire à Mafia une petite règle supplémentaire. Mafia, j'ai une règle supplémentaire qu'on peut faire. On a le droit de poser 3 constructions. Parce que là, j'ai plus de grappin, du coup, je suis bloqué. Donc, on a le droit de poser 3 constructions pour essayer d'arriver au bout. D'accord? Je pense que tu es d'accord. Donc, je vais retirer mon casque à nouveau. Alors, ça va que la zone arrive en plus. On va faire ça comme ça. Comme ça. Et malheureusement, je peux pas faire ça comme ça. Du coup, on va faire ça comme ça. Et malheureusement, je crois que je suis encore bloqué. Donc, c'est fini. Ouais, voilà, c'est fini. On va retourner en haut du clocher. Donc c'est vraiment une vidéo assez courte, mais je voulais quand même vous montrer qu'on a réussi à recouvrir Tilted entièrement de pièges. Et c'est ultra classe, regarde-moi ça. C'est vraiment stylé. On a passé une demi-heure à le faire. Ah, mais fille, il a encore son grappin. Encore son cramponneur. Alors moi là je vais essayer de viser ici l'endroit avec la grue. Avec le planeur. Hop là.
Et là, on atteint des petits endroits sympathiques en intérieur. Hop là, on va faire. Non. On va faire deux construits comme ça. La voiture, ça passe. Si on pose un escalier comme ça, j'ai plus de construit. Du coup, là, j'ai plus de construit. Ok, on va longer ça comme ça. Je suis proche de la fin, elle est là-bas, en vrai. On a moyen de terminer là. On a grave moyen de finir. Ok, on a vraiment moyen de terminer là. Regardez, si on se met comme ça ici. Non! J'ai raté un saut tout petit. Oh non, je suis deg. Mais je crois que c'est le meilleur moyen d'y arriver là. On a encore un. Moi, je pense que c'est mon dernier essai. Parce qu'après, il y a la zone qui arrive. Bon, là, on était un peu déterminé. On a fait ça sur Tilted. Mais je pense qu'on refera ça. Et on va refaire ça une autre fois. Et on fera ça. Oh oui, vas-y, Mafia, viens me chercher en téléguidé. Ok. Hop. Il est sérieux. Par contre, on va dire que ça compte pas ce qu'il a fait parce que moi je trouve que ça se fait pas trop ce qu'il a fait. Donc on va dire que ça compte pas. On va dire que ça compte pas ce qu'il a fait, Mafia, là. Qu'est-ce qu'il fout? Il a pété des pièges. C'est un peu hors jeu, mais bon, on va accepter. Il a presque réussi, là. Allez, il faut prendre des risques. Faut prendre des risques. J'ai encore une construe. Ah non, c'est pas possible après. C'est impossible après. Ouais, en fait, il nous aurait fallu encore le grappin pour s'agripper ici. Puis après, on serait monté sur le toit de la maison. On aurait utilisé le grappin une dernière fois et hop là, on aurait réussi. Ouais, bon bah, du coup, personne n'a gagné. Personne n'a gagné ce défi. Bonjour à toi, Mafia. Bon bah personne n'a gagné ce défi malheureusement. Mais on va terminer cette vidéo là. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Et j'espère que ça vous aura plu quand même. Et si vous voulez qu'on refasse le même concept mais dans une ville plus petite, comme ça on pourra faire plus de parties de The Floor is the Trap. Au moins on pourra si genre on fait ça à Greasy ou à Risky ou à Tomato ou à Retail. Du coup, dites-nous ça dans les commentaires si vous avez envie qu'on refasse un deuxième épisode, mais dans une ville plus petite. Bye tout le monde!